Un champignon. Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. Il ne me comprend pas, mais au moins avec lui, je peux parler librement. Pourquoi tu marches comme ça? Oh, j'en avais assez d'être sans arrêt obligé de me laver les pattes. Quand tu penses qu'on marche sur les mêmes pattes dont on se sert pour se nourrir, quand tu penses à tout ce qu'on avale... Pense qu'à ça. Quand je mange, je ne tiens pas à retrouver le goût de ce que mes pattes ont foulé. Comme tu veux, mais si papa il doit marcher comme ça, ça va pas lui plaire. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Oh. Tu as trouvé du fromage? Et pas n'importe quel fromage! De la tome de chèvre fermière! Ça va très bien aller avec mon champignon! Oh! Du romarin! Du romarin avec... quelques brins de fines herbes! C'est ça, balance le tout sur le tas de compost et on finira bien par... Mais ça va pas, non? On va pas jeter ça aux ordures! C'est exceptionnel! Mais il faut qu'on aille retrouver les autres avant le coucher du soleil, sinon papa... Émile, il y a là une piste à explorer, il faut qu'on cuisine ça! Mais comment est-ce qu'on va le faire cuire? C'est ça la question! Ça y est! Le secret, c'est de ne pas arrêter de tourner pour obtenir un bon fumage bien régulier. L'orage se rapproche. Hé, Rémi, tu crois pas qu'on devrait s'éloigner un tout petit peu de... Il faut que tu goûtes ça. C'est un léger goût de brûlé. C'est fondant. C'est pas vraiment fumé. Ça a une certaine... c'est plutôt... Tu vois, genre explosif. Oh, quelle sensation. T'es pas d'accord? Comment tu définirais ce goût? Foudré. Oui, c'est ça, foudré. Il faut qu'on le refasse. Bon, au prochain orage, on remonte sur le toit et... je sais ce qui manque. Du safran. Avec un peu de safran, ce serait génial. Du safran. À tous les coups, tu vas me dire que y en a dans la cuisine.